chers amis congolais, bonjour. Une fois de plus, je suis le professeur John Malala, professeur à l'Université centrale de la Floride aux États-Unis d'Amérique. Pour le moment, je suis ici en Afrique du Sud, à cette université, la grande université qu'on appelle UNISA, où j'ai été appelé à venir former des professeurs et ouvrir un nouveau département dans la faculté des sciences. Je vous informe que je serai candidat à la magistrature suprême en République démocratique du Congo en 2016. Notre idée, c'est de prendre ce pays et le transformer en un pays développé. Ce que nos frères et nos sœurs africains font ici en Afrique du Sud, nous pouvons le faire aussi au Congo. Et je suis déterminé à apporter l'excellence, non seulement sur le domaine académique, mais sur tous les plans possibles en République démocratique du Congo. Les étudiants au Congo doivent avoir une formation qui leur permettra de faire la compétition avec tous les autres étudiants à travers le monde. Nous avons maintenant une économie moderne dans un village global. Il nous faut une véritable compétition et je suis la seule personne de tous ceux qui veulent se présenter à la magistrature suprême qui peut apporter ce développement-là, qui peut amener ces grands pays au challenge qu'il faut. Je vous demande de vous rejoindre à moi pour qu'ensemble nous puissions apporter le changement dont le Congo a besoin depuis plusieurs décennies. Je vous prie de vous associer à nous avec le Parti des travailleurs. Allez vous enregistrer sur Internet www.partidestravailleurs.com ou bien www.partidestravailleurs.org. Je vous remercie. Rejoignez-nous avec le PDT. Ensemble, nous allons transformer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.